Konnichiwa! C'est une heure ça? Et quelle heure là? 17h46. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a des choses qui changent pas, tu vois. Bah ouais. Et ça me touche en fait. Bah sinon, je serais pas moi-même. Mais en fait, c'est ça. J'ai une maladie, hein. Mais c'est qu'en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, quand t'es arrivé, tu vois, t'as été de la même couleur que la porte. Et tout de suite, ça m'a. Tu vois? Ça m'a. Mais toi, oh, tes baskets jaunes! Mais oui! Wow. T'as vu le changement? J'adore. C'est nos Evelyn Eleven à nous. Voilà, comme vous pouvez le voir. Il y a des navets. Et ils sont les verres avec les glaces là. Oui, je comprends pas. C'est quoi ça, Seven Eleven là? Pourquoi c'est marqué en euros? Je comprends pas. Je comprends pas. Où sont les yens? Meuf, t'as tes yens sur toi ou pas? Bah ouais, mais là, je suis un peu perdue. Tu prends quoi toi? Ah non. Si, non mais non, j'ai 5 euros, je te donnerai 5 euros. Pourquoi? Bah pour ça. On s'en bat les couilles, prends à manger plutôt que tes 5 euros. Ça. Donc là en gros, je vais manger tout seul. En gros, t'es en train de me faire passer pour une personne obèse. Bah ouais. Ok, c'est super. Bah faut assumer après. Je vais prendre ça. Coucher de soleil, 7-Eleven, on est à Tokyo. Voilà. Franchement, c'est carré. On peut faire un haul. Voilà, faisons un haul. Alors, jambon beurre. Voilà, jambon beurre. 80 yens. Oh, c'est pas cher, franchement. Une affaire. Coca chérie. Voilà. 200 yens, une 200 affaire. 200 yens. Cristalline tropicale. 100 yens, une affaire. Chipster. Chipster. 2 yens. Une aubaine. Donc voilà. Franchement, maintenant on va aller se poser dans un café, je pense. Dans un mall. Soit dans un café, soit dans un parc. Hyper bien. Voilà. Genre, bah, on va vous montrer le parc. Il est hyper bien. Donc on va vous montrer le jardin zen, il est hyper bien, genre vraiment venez tous. Là sur le plan d'après, hop, c'est le parc, vous êtes prêts? Et il y a plein de bonsaïs. Ouais, il y a plein de bonsaïs, c'est trop beau. Bah vous savez quoi, dans 2 secondes, allez hop. Parc. Non, jardin zen japonais. Jardin zen japonais. Comme vous pouvez voir, il y a ici la représentation du Japon. La sorcière. La sorcière. Voilà. On peut la rider de cette manière. Il est cute hein, ton parc. Hein. J'ai l'air de quoi? Bah, d'une beauté sans pareil. De toute façon, l'épicier, il a dit. Hein. Ouais, hey, l'épicier, il a dit. T'as mis le sac. T'as mis le sac. T'es trop belle, t'es trop belle. C'est vrai que le temps passe vite, dis donc, quand on s'amuse. Bah, bien sûr. Surtout dans ce jardin zen japonais. Bah attends, c'est tellement zen. Ouais, t'en penses quoi du coup? Bah j'adore. C'est à la fois relaxant et c'est sage. Mm-hmm, je suis d'accord. Bah, je trouve mon banquement. Enfin, là, genre, tu sais, si je fais une vocalise, oui. Je pense que tout le monde se retourne et vas-y, me fais. Non, mais je vois, parce que nous, on va se retourner, on va obtenir des snaps, des TikTok et tout, comme la dernière fois. Ah, t'es sûr? Je le sais, mon cœur, ça me fait. Ah, ils vont faire des edits. Ils me font des edits sur moi tous les jours. Ah, tous les jours? Mon cœur, t'as pas vu? Non, j'ai pas vu, mais parce que j'ai pas les réseaux, moi. Ah. Tu peux y aller ou pas? Donc là on s'est posé au Street Bangkok. En plus ce restaurant il m'avait trop manqué quand j'étais au Japon. Parce que j'aime trop ici. Mais tu sais que j'aime trop hein. Ça c'est quoi? C'est des... C'est du piment. J'ai pas eu tout ça, j'ai cru la dernière fois. Non, t'avais pas du tout pris ça la dernière fois. Hein. Je sais pas pourquoi t'as dit ouais, je prends la même chose et genre. Ça m'émeut tellement de remanger ça. Mais t'as mangé tout comme ça. Du riz, on prend la... Mais non, au Japon, tu manges pas du tout comme ça. Hein. Ça, c'est thaïlandais, bébé. Sûr? Oui. Ça s'appelle Bangkok. Mmh. C'est tellement bon. Et en fait. Tu fais une portion pour une personne. Oui. Une personne, ok.
Et tu te dis, je mets ça de riz. Ça de riz. Voilà. Et pour toi, c'est normal. Ben oui. Moi, je veux. Et voilà, on est magnifiquement bien repus. Équipement. Tu penses que c'est de la pluie? Donc en gros là, la théorie c'est que du rhum coule du ciel. Oui, quand même, vu que ça colle, tu vois, on n'a pas envie d'en avoir trop sur notre... Bah oui. Donc, voilà. Voilà, équipement. On a de la marche. Ah ouais? Ouais. On a 20 minutes de marche. Suivez-moi. Oh. En plus, ton truc il est pas du tout imperméable. Mais si, c'est la max pluie. C'est les vêtements pour la pluie. Et genre, ça transperce pas ça? Non? Ouais. 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 Il fait beau! Oh waouh! Wow. Une bronze là, tu penses? Ouais, un tissu mais 9. Là, c'est sûr. Hein. Elle s'est pas habillée pour. Elle a pas compris le thème! Elle a pas compris! On bouge jamais d'ici. Jamais, on part jamais. Voilà, j'ai téléchargé mon jeu. Bon, en gros, bah, t'es dans une maison. Ouais. Mais le jeu est payant là. Pourquoi il t'arrive toujours des merdes en fait? Pourquoi rien ne fonctionne jamais en fait? Ça me saoule. T'en as pas marre? Mais du coup, c'était quoi le principe du jeu? Bah, le principe du jeu, c'est que t'étais dans une maison, t'avais plein d'objets et en gros, tu devais tuer les araignées, genre les éclater pour faire un genre comme dans la vraie vie. J'ai tellement faim. Moi j'ai envie de me réchauffer avec un bon bouillon. Genre. Moi j'ai envie de me réchauffer avec une bonne soupe. Ouais, bah ouais. Donc ce serait fou que là. Transition soupe. Transition soupe. Voilà. J'aime trop rajouter plein de trucs en fait. C'est vraiment pour ça que j'aime manger la peur. C'est juste pour le fait de rajouter des trucs dedans. Il y a grave un mini-jeu en fait. Quoi, jamais. Je mets du piment, mais je vais y aller mollo aussi. Moi, c'est ça, j'aime les preuves. Oui. Mais alors, ça, moi, tu vois, j'aime bien quand c'est infusé, genre dans le bouillon, mais ouais, j'aime pas cru comme ça. Un peu, genre. Oui, mais cru comme ça, j'ai du mal. Parce que ça a un peu trop le goût de terre, je trouve. Ouais, c'est pas bon. Capte ce que je veux dire. Notre Uber. Qui est actuellement en gare d'Étréchy. Ce train va avoir un allongement de temps de parcours. Ceci est dû au choc anormal constaté par un train de marchandises dans le secteur. Mais gars, elle s'est fait piquer 4 fois. Ah, mais attends, mais quand... Parce que là, il y avait un endroit oui, mais où il y en avait genre 3. Mais oui, ça se. Mais gars, elle l'a barricé de nous. Là, j'en ai un là. Voilà, et genre il m'a niqué toute la matinée. Là aussi, tout le crâne. Tout le crâne. Ouais. C'est fou, le crâne. Il y a eu qui d'autre? Je sais pas, mais de toute façon, les traîtres, c'est nul. Comme personne connue, il y a eu. Bah, pourtant, ça ont été. Parce que tout le monde regarde parce qu'il y a Studio Daniel, mais bon, par ça. Mais pourquoi il y a même Studio Daniel, gars? Mais tu sais que Studio Daniel, elle a une vraie commu. Hein. T'essayes de filmer, t'essayes de montrer quoi? Genre. Bah, que tu fumes quoi. Ah, parce que toi tu fumes pas peut-être. Bah non, je suis pas fumeur. Ah. Il est à qui ce mégot là? Non, c'est à toi. Ah oui, c'est regarde ce que tu fumes. Je suis allée au Japon en fait, c'est moi. Ah, donc c'est toi depuis le début, t'es allée au Japon? C'est moi. En fait, Ruben c'était mon caméraman, il voulait que trop se filmer lui. Okay. Du coup, vas-y, genre, je l'ai laissé, tu vois. Mais ça t'a pas saoulé de n'apparaître jamais, genre, dans ton propre vlog? Mais gars, tu me faisais trop de la peine, genre, t'étais là, tu me suppliais, genre. Mais, genre. Mais meuf, t'avais vraiment les cheveux. Bah, châtain foncé. En fait, t'avais les cheveux, même limite, j'ai l'impression plus foncé qu'Eva. Ouais. Ça dépendait de la luminosité, genre après, parce que là, ça fait. Oui. Et ça dépendait. Genre. Alors que là, maintenant, bah, t'es blonde, quoi. Wow.
Mais du coup, ouais, tu te revois redevenir brune maintenant, non, ou plus du tout? Bah non, c'est ça le problème. Ça va te coûter cher. C'est cher. En fait, j'aimerais tellement que du coup, la teinture, elle fasse redire mes cheveux. Bah non, t'es blonde, meuf. Et du coup, il reste blond. J'ai pas vu que t'étais sortie. Ça me donnerait bien. Meuf, la teinture, elle va pas te dire... Ah, meuf, elle pense que la teinture va lui dire... J'espère... Ouais, tes cheveux doivent rester blonds maintenant et qu'en gros, tes cheveux vont parce pousser blonds. Ils vont se rappeler que de base, ils étaient blonds et du coup, ils vont rester blonds. Et j'aurais plus besoin de payer genre de son Mais meuf, t'as tout compris. Mais c'est pour ça qu'en fait, je dis que juste les gens... un rappel de leur nature. Mais oui, meuf. Et ils vont se conserver. Ouais. Mmh. Non, ça pue la clope. Contre toute attente. C'est vraiment étonnant. Étonnamment... On n'a pas du tout fumé à la fenêtre pourtant. Je comprends pas. Je cherchais une bougie. Regarde ta casquette, Ruben. Oh my god. Elle me court. Je cherche pas ma... Je te le dis. Je te le dis. J'ai jamais vu une pince aussi petite de toute ma vie. T'arrives même pas à la sentir. Non. Tout le monde est plus grand. Non, meuf. C'est encore plus beau qu'avant. Excuse-moi, mais t'attaches quoi avec ça? Ou juste Les petits cheveux qui sont genre... Voilà. Exact. Oh. Oh.